La non-connaissance des notions sur la passation des marchés publics, le marché de gré à gré, les appels d'offres ouverts, les appels d'offres restreints, l'exécution et la réalisation des marchés par exemple, rendent les collectivités peu efficaces au cours de leur mandat, soutiennent les responsables de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. C'est pour corriger le tir et permettre aux conseils régionaux de mieux fonctionner que ce séminaire a été organisé par l'ANRNP autour des thèmes opérations sur les marchés publics et rôle des conseils régionaux, régulation des marchés publics et responsabilité des conseils régionaux, procédure d'acquisition des véhicules administratifs, rôle du maître d'œuvre dans l'exécution des marchés de travaux publics. Au regard des montants minimums exigés pour le seuil de passation, il est évident que les transactions qui vont passer par marché public seraient importantes. Il était donc pertinent avant même leur premier exercice budgétaire, ils aient le minimum de connaissances nécessaires pour une bonne passation des marchés qu'ils auront à faire. Les participants, les présidents des conseils régionaux et leurs collaborateurs ont dit leur intérêt pour ce séminaire qui va renforcer leurs compétences. Je pense que nous repartons d'ici enrichis de l'expérience que l'Autorité nationale de régulation des marchés publics nous présente. Il faut que la bonne gouvernance soit la priorité en Côte d'Ivoire et qu'il est dans l'intérêt supérieur de la nation que la passation des marchés vraiment soit régulée. Le docteur Ali Diomondé, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a rappelé l'intérêt du président de la République en matière de bonne gouvernance. Ce séminaire est donc important, à juste titre, a-t-il ajouté, puisqu'il va permettre aux conseils régionaux d'être plus rigoureux dans la gestion des marchés publics. Il a enfin félicité au nom du président les initiateurs, les responsables de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP.